Salut tout le monde, c'est Alexic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 16, la carrière avec les Giants. Donc aujourd'hui on va jouer contre les Bucks. Voilà, une équipe qui est à 3-4, donc c'est pas ouf non plus. Une nouvelle fois une équipe largement à notre portée. Et je me tâtais à améliorer peut-être les joueurs maintenant, on va attendre encore un peu. Juste Eric Flowers, je suis obligé de l'augmenter. Je suis vraiment obligé. Voilà, je peux lui mettre 1 en pass block et pour moi c'est un soulagement à chaque fois que chaque fois qu'il monte de 1, c'est un soulagement parce que j'en peux plus. En plus, c'est surtout celui qui couvre le côté on va dire invisible de Manning, donc celui qui veut pas voir vu qu'il est droitier, c'est le côté gauche, du coup bah c'est chaud pour Manning. Du coup très important l'amélioration de Flowers. Ok, bah vous savez quoi, on va direct lancer, hein. On est très bien, on est très très bien, 8-0. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Alors par contre, je voulais juste faire un truc parce que les épisodes sont encore un peu longs. Je vais encore réduire d'une minute. Voilà, pour que ça enquille un peu plus vite. Et que j'ai le temps de vous les mettre pour que vous en ayez un par jour. Ok. Let's go. Ok, c'est bien stoppé. Sauf s'il a été extrêmement nul. Allez, Robinson, là, démarque-toi du bloc. Ok, c'est très bien plaqué ça. Boum! Allez, Robinson. On check si jamais c'est une course. Ça va être une course de Winston. Oh putain, je suis bloqué. Voilà, James Winston qui sera bien stoppé. Il va gagner quoi? 5-6 yards. On va être sûr de la man. Oh, je me suis chié. Boum! Dommage. Voilà, pour l'instant, je me fais un peu malmener. Là, ça va être chaud. Là, c'est le TD. Ouais, c'est le TD. Bon, voilà. Un petit TD. C'est qui? C'est Rainey qui score là-dessus. Comment il s'appelle? C'est pas Rainey? Non, c'est Sims. Ok. Ok. Oh oui, super. Super, Odell. Alors, quel va être le flag? J'espère que c'est pas un holding. J'ai l'impression que c'en est un. Flowers. Eh non, ça va être Justin Pouge. Voilà. Alors qu'on avait gagné un gros gain. Ce serait bien qu'ils fassent de la manne. Ça me mettrait très bien s'ils font de la manne. Mais ça ne va pas être le cas. Ouais, super Donnell. Petite passe précise de Manning. Bien catché par Larry Donnell. Allez, une petite passe sur Dablé. C'est bien catché là, la petite in. Beaucoup. Shepard fait pas le con par contre. Oh là là, putain. Et c'est Flowers qui se chie encore une fois. Mais putain, j'en peux plus de ce joueur. Yes, super bien lancé. Good job, Cruz. Nice. J'ai envie de tenter ça. Parce que si Cruz arrive à se libérer là-dessus, ça peut être vraiment cool. Super Victor Cruz. Putain, c'était le lancer de Manning était vraiment pourri parce que c'était là si je la mettais dans le deep, c'était le touchdown et je sais pas, il a lancé petit bras Manning. Heureusement que Victor Cruz s'est arraché pour prendre ce ballon. On va tenter le 1 contre 1 sur avec Beckham. Ah, dommage, dommage. Ça se tentait vraiment. Bon, du coup, on aura que 3 points mais ça va, je vais m'en contenter. Je vais m'en contenter. Attends, le petit 1 contre 1 qui était bien sympathique là, je pensais vraiment qu'il allait la prendre Beckham. Putain, ils font tout le temps la. Oh non! Oh non! Winston qui évite le plaquage, le sac, et qui ensuite arrive à délivrer cette passe, putain de merde. Allez, on va prendre D'Lo Hall. Boum! Super ça. Oh, j'espère que ce sera pas de la passe, j'espère vraiment. Oh là là. C'est mort. Oh! Oui! Oh putain, D'Lo Hall. D'Lo Hall qui tape the interception. Magnifique. Ok, Dablé va se libérer. Putain, j'ai pas eu le temps de se faire dominer comme ça. Allez, allez Dablé, allez Dablé. What the fuck? Oh non. Oh
Oh là là, putain, ça aurait été l'interception. The interception par Landon Collins. Putain. Allez, là, faut vraiment les stopper. Voilà, super, les gars. Voilà, une nouvelle fois, à cause de quoi on est pénalisé, à cause de notre line qui tient pas. Je pense vraiment que ça peut le faire. Allez, la petite play action. Ah, c'est cauchemardesque là. Bon, donc ils mettent 3 points. Ils vont mettre 3 points. Et là, du coup, après. Alors attendez, parce que je suis concentré. Oh le bâtard. Ça joue de la course, je suis dans la merde. Nice! Je vous ai dit qu'on allait tenir les 3 points. Je vous l'ai dit ou pas? Allez. Alors le clou du spectacle, ce serait une interception là. Oh non! Dire si, putain. Bah oui, il va être intéressant le Donnell. Et il va même faire un catch à une main. Il est chaud, Donnell. Il est chaud. Ouais, super Donnell. Ah non, c'est taille, c'est taille. Oh, Dablé tout seul. Dablé qui va se démarquer, qui va être tout seul. Nice. Voilà, un bon drive. Un bon drive, c'est cool. 9e touchdown de réception pour Anthony Dablé. Il me fait mal le petit Sims. Il est à 10 yards par course. On va essayer de rush avec Jason Pierre-Paul. Oh là là, putain. J'aurais pas dû plonger. J'aurais pas dû plonger, ça m'aurait permis de sécuriser le plaquage. Bon, ce serait bien qu'il me sorte une bonne course là, qu'il y ait un peu de bloc et que Verin je fasse quelques moves avec. Parce que là, j'ai même pas le temps de faire mes moves en fait, je suis direct plaqué à chaque fois. Ok, bon, ça c'était pas mal. Alors, Verin, t'as intérêt à pas être fatigué, parce que là, ça peut grave passer. Et ça va. Oh, le bloc était tellement mauvais du fullback là. Jennings qui est rentré, ok. Allez, Dablé, tu vas me faire ça. Et là, ce serait bien que ça passe cette fois-ci, que je puisse avoir des blocs. Super Victor Cruz. Voilà. Alors là, vous venez avoir un exemple que je veux vous montrer à chaque fois et que j'arrive à montrer une fois par saison, c'est sûr et certain. Ne jamais sauter comme moi, comme un connard. Voilà, voilà ce qui risque d'arriver. En plus, je saute avec Victor Cruz qui a pas énormément de sauts. Je saute trop tôt en plus et là, je me fais dégommer, fumble. Et là, je suis dans la merde. Alors que j'étais sur un bon drive. J'aurais pu marquer là si je faisais pas le con. C'est bien dommage. Je suis déçu de ouf. Oh là là, mais super, super, putain, c'est qui intercepte? Eli Apple. Yes, enfin une interception avec Eli Apple et quelle interception! Nouvelle interception acrobatique, il y en aura eu deux sur ce match. Oh non, c'est mal lancé Manning, putain. J'ai envie de pleurer. Ah, j'ai envie de pleurer, mais tellement. Il y avait un petit espace et je voulais la lancer à Shepard dans le petit espace. Et Manning, en fait, l'a lancé bah, comme une merde sur le défenseur. Je suis trop deg. J'ai mal joué. J'ai très mal joué. Oh non, les gars, vous avez pas le droit. Putain, ça se trouve la défense, ça se trouve. Et là, si je me prends un field goal, c'est. Ça risque d'être peut-être la défaite. Donc. Ah, c'est peut-être la première défaite de la saison contre les Bucks. Nice, super. Robinson qui me fait un super match. On prend trop de big play, on prend trop de big play débile. Ah mais attendez, en fait depuis tout à l'heure vous me voyez pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Ah super. Il fallait le dire les gens, fallait le dire qu'il n'y avait pas de lumière. Voilà. Putain mais quel connard je suis. J'ai oublié que la nuit tombait du coup. Forcément on me voit plus. Ok là c'est bon. C'est Ferran Jenkins. Bon voilà, il nous a chié dessus là Sims. Sims the third. Allez, allez. Ah, ça sort pas, dommage. Ok, la fenêtre qui s'ouvre.
Directement sur Dablé grâce au blitz du safety. Ah, Ah, et et en en plus plus on on a a les les remplaçants. remplaçants. Ok, Ok, on on a a Jennings Jennings en en receveur receveur extérieur. extérieur. C'est C'est tellement tellement la la merde. merde. Ok. Ok. Ah! Ah! Et Et Shepard. Shepard. Ok, Ok, c'est c'est la la merde. merde. Bon, Bon, ça ça peut peut passer passer quand quand même, même, mais mais il va il va falloir falloir vraiment vraiment qu'il qu'il joue joue bien. bien. Jeremy Davis! Peut-être notre sauveur. Peut-être notre sauveur là-dessus. Oh putain, je lui ai fait confiance. J'ai dit, c'est un mec qui veut sa place. Mais vous avez préféré le virer pour mettre Shepard. Moi, je vous avais dit que c'était un mec qui avait la dalle. Oui. Oui. Jeremy Davis. Jeremy Davis. Allez, on y croit les gens. Putain, j'y croyais plus, franchement. J'y croyais plus. Quand je lui ai fait la longue passe, je me suis dit, c'est la merde. Et bah là, Jeremy Davis qui est en train de nous prouver le contraire et qui nous dit, non, les gars, on se bat jusqu'au Let's bout. go. Allez, 3 minutes. Ça joue de la course, ça va nous foutre. Ok, bon plaquage. Bon Et de la plaquage, on tire. course. J'espère en tout cas. Ah, je fais de la merde. Oui, Vernon. Super Vernon. Ok, c'est de la manne. Allez, un bloc, s'il te plaît. Nickel. Oh, super. Allez, Dablé. Nice. Ah, par contre, je la mets en touche. Ah, putain, on va être pénalisé parce que j'étais pas sorti des. J'étais pas sorti de. Voilà. J'étais pas sorti de ma poche, j'ai envie de dire. Oh, c'est chaud. Ah, ouais, non, mais c'est chaud là. Ah, oh, il était tout seul là-bas. Ce serait bien cool. Je joue avec le feu, c'est un truc de ouf. Ah, le blitz. La O-line qui nous aura pourri le match. Je sais pas combien de fois on a été saqué sans déconner. Mais c'est un truc de ouf. Voilà, ça a posé le genou. Première défaite de la saison. Du coup, bah j'ai vraiment mal joué. Et puis voilà, on aura vraiment pris trop de big play en défense. En attaque, je me serais peut-être un peu trop précipité et fait un peu trop de conneries. Des interceptions inutiles un peu. Du coup, première défaite de la saison. Mais c'est bien, ça relance un peu. Là, c'est trop facile, je trouve. Il y avait trop de victoires. C'était pas assez marrant. Là, du coup, c'est marrant. Vous voyez? En plus, je sais que vous aimez bien me voir perdre généralement. Donc voilà, première défaite de la saison contre les Bucks. Bien joué à eux. Ça va les relancer en plus un peu parce qu'ils étaient vraiment sur un bilan pas terrible. Du coup, ils vont peut-être passer devant les Falcons. Donc je suis un connard. Voilà, bon, niveau rush, j'arrive pas à établir mon jeu de course. Le seul playbook avec lequel j'ai réussi à faire un peu de course, c'était le playbook des Chiefs. Donc je vais essayer de le reprendre, ce sera cool. C'est vraiment un playbook que je gère bien. Donc on va mettre. Bon, si il y aura un MVP parmi les deux équipes, je mettrai Sims. Voilà, on fait pas un mauvais match avec Manning en soi. On fait 2 TD, une interception. 50% de passe quand même. C'est chaud. Sims qui aura fait un putain de match, 2 TD. Voilà, bon, pas trop s'attarder là-dessus. Dablé qui fait encore 1 TD, 104 yards et 5 réceptions. C'est pas Boss que je voulais mettre, c'était Jens. Donnell 3 réceptions, 52 yards. Victor Cruz 3 réceptions, 79 yards. Odell Beckham Jr. qui aurait été un peu invisible. Et Jeremy Davis, pour moi, il a redonné un peu d'espoir. Donc je vais le mettre MVP. C'est peut-être pas celui qui a les meilleurs stats. Mais bon, on aura pris 3 sacs. Mais voilà, un de Flowers, un de Baker et un de Dodson. Aujourd'hui, le plus grand plaqueur, ça aurait été Collins Robinson. À noter aussi la performance d'Eli Apple. Au niveau des tacks for loss, on en a 1, 2. Collins Saint-Vernon. Au niveau des sacs, on en a 1,5 par Vernon. Les interceptions, c'est D'Angelo Hall et Eli Apple. Deux super interceptions. Et voilà. Bon, voilà, les gens, c'était un nouvel épisode. Et puis, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye! Willie Mo always ready. Willie Mo always ready. Willie Mo always ready. Willie Mo always ready. Mo City, man.